Salut à tous, c'est Pan, on se retrouve sur la chaîne pour un nouveau tutoriel. Alors première chose, c'est que vous allez l'entendre, j'ai une angine carabinée, et du coup j'ai très très difficile de parler parce que j'ai très mal à la gorge. Mais je tenais quand même à faire ce tutoriel pour pas que vous restiez sans vidéo sur la chaîne. Et vu que c'est un tutoriel qui m'était demandé, j'avais pas non plus envie de le faire dans 3 semaines quoi. Donc je me suis dit je vais quand même essayer de le faire, on verra, même si parler m'épuise énormément. Mais j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur, que cette vidéo sera quand même compréhensible pour vous et que ce ne sera pas trop laborieux de m'écouter parler comme ça. Donc on en arrive au but de cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera une vidéo qui va vous expliquer comment on peut accéder aux 3 terrains secrets qui existent dans les Sims 4. Donc le premier se trouve à Willow Creek, c'est une clairière. Le deuxième terrain secret se trouve à Oasis Spring, c'est une grotte. Et le troisième se trouve à Granite Fall, c'est le terrain où se trouve l'ermite. Donc ici, je suis sur ma partie personnelle. J'ai décidé de prendre mon petit vampirounet Naruto, que certains connaissent ceux qui me suivent sur Facebook. Pourquoi je l'ai pris? Bah parce que pour le terrain à Oasis Spring, il va me falloir un Sim qui est la compétence 10 en bricolage. Et lui, comme bah, vous voyez, il est full compétence partout. Du coup, ça va être intéressant de l'avoir pour le bricolage. Voilà, on se retrouve à Willow Creek pour le premier terrain secret. Donc, le passage du premier terrain se trouve ici dans l'arbre. Et. Ou celui-là, enfin, je sais pas, ça des deux. Et. Comme vous le voyez, mes terrains, moi, je les ai changés. En fait, mes maisons, c'est plus les mêmes que les terrains d'origine. Mais ça changera strictement rien du tout. Donc, vous allez cliquer d'abord sur le terrain ici, donc pour accéder à un des deux arbres, je crois que c'est le rose. Vous allez cliquer sur le terrain qui est ici, donc peu importe la maison qui est dessus, peu importe si vous avez rasé le terrain, ça ne changera strictement rien. Donc, vous cliquez sur le terrain, vous y allez. Donc, moi, j'y vais simplement avec Naruto. Ah, je vous jure, ma voix, c'est une horreur, je m'épuise moi-même à parler. Alors, donc voilà, on est sur le terrain. Alors, le fameux arbre secret, c'est celui-ci. Donc, ça, c'est la maison que je vous ai fait charger. Donc, il est vraiment juste à côté. Donc, quand on voit qu'on clique sur l'arbre, en fait, il n'est pas ouvert. Donc, on va d'abord aller l'ouvrir. Donc, on va simplement cliquer dessus et on va mettre inspecter. Ce n'est pas pour celui-ci qu'il a besoin de la compétence 10. Donc, peu importe les compétences de votre sim, ici, il pourra le faire. Donc, on va mettre inspecter. Voilà, donc là, on voit qu'il est en train d'inspecter l'arbre. Il faut peut-être le faire plusieurs fois. Voilà, donc vous allez l'arroser. Arroser encore, vous chipotez avec jusqu'à ce que le passage s'ouvre en fait. Hop, arroser. Qu'est-ce qu'il me dit? Respecter, discuter de la nature. Bon, on va mettre discuter de la nature pour changer. Voilà. Donc là, le passage, il est ouvert. Du coup, on va cliquer dessus et on va mettre explorer. Alors ici, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué. Il va nous demander c'est 3 ou 4 choix à faire. Et à chaque fois, il va falloir faire les bons choix pour pouvoir accéder à la clairière. Donc si on ne fait pas les bons choix, on revient tout de suite au point de départ. Donc les choix, je ne les connais pas par cœur. Donc voilà, ici, l'aventure dans l'arbre. Ce tronc est beaucoup plus gros que prévu. Il est sombre, mais étrangement, il n'est pas effrayant. On peut voir une faible lueur et entendre le murmure d'un ruisseau. Donc est-ce qu'on suit le bruit ou est-ce qu'on suit la lumière? On va essayer de suivre le bruit. Si ce n'est pas ça, c'est que ce suit. Donc soit il va ressortir, soit il va continuer. Réagir avec dégoût. Je crois que c'est pas bon. Ah si, c'était bon. L'aventure dans l'arbre. Naruto continue à chercher dans les profondeurs sombres. Un bruit d'eau lui indique qu'il vient de mettre les pieds dans un petit ruisseau. Descendre le cours du ruisseau ou le remonter. On va mettre descendre. Prenant le chemin, lui offrant le moins de résistance, espérant ne pas se trouver dans un égout. Naruto se laisse distraire par une brume éthérée qui brille dans un éclat menaçant. Est-ce qu'on entre ou est-ce qu'on évite? On va entrer. Donc, est-ce que maintenant j'ai fait les bons choix, sinon il serait ressorti. La brume est tiède et agréable pour une brume. Tout d'un coup, non tout à coup, Naruto a le tournis. Il voit la sortie de la grotte apparaître face à lui. Est-ce qu'on va à la clairière ou est-ce qu'on revient? On va aller à la clairière, comme ça vous allez voir. Donc se déplacer. Voilà, il doit charger, c'est un nouveau terrain, donc il le charge. On est arrivé à la clairière forestière. Donc voilà comment se présente le terrain. Donc si vous voulez construire sur ce terrain, donc vous pouvez tout à fait construire un petit truc, mais il vous faudra un code triche
que vous trouverez facilement sur Google. Sinon, bah, le terrain n'est par défaut pas modifiable. Donc voilà un peu comment se compose la clairière. Personnellement, je trouve que c'est assez mignon. C'est un tout petit terrain, c'est pas non plus the terrain, quoi. Et voilà, donc c'est vraiment tout mignon, mignon. Moi, j'aime beaucoup ce terrain. Voilà, donc ça, c'est l'arbre. Pour retourner, il faudra simplement recliquer sur l'arbre. Alors, il est intéressant ce terrain. Pourquoi? Parce qu'on a un point d'eau et de pêche, donc un point d'eau de pêche. Et ben, on a des poissons qui ne pop que ici. Donc, voilà, vous voyez, c'est simplement, je ne sais pas aller plus loin. Donc, il n'y a pas trop de choses à faire. Je ne pense même pas qu'il y ait des grenouilles ici. Je ne sais pas. Bon, je ne vais pas trop vous montrer. Je vais peut-être vous laisser le suspense. Voilà, on voit que c'est un peu un lieu enchanté. Donc, il y a des arcs-en-ciel. C'est tout mignon, mignon. On va arrêter la pêche de Naru. On ne va pas rester trop longtemps. Je ne vais pas faire une vidéo qui va durer 3 plombes. Sinon, je ne saurais plus, je ne saurais pas arriver au bout. Donc, voilà, le terrain, il est tout petit. Il est comme ceci. Oui, il y a une mare ici aussi au milieu dans laquelle vous pouvez pêcher et chercher des grenouilles. Je vous laisse le découvrir par vous-même pour ne pas trop vous spoiler. Donc on va simplement rentrer à la maison. Voilà, il suffit simplement, comme vous l'avez vu, de cliquer sur l'arbre en fait. Rentrer à la maison, ok. Quand vous mettez de retour à la maison, bah forcément il vous rééjecte chez vous. Et pas à la sortie de l'arbre par lequel vous êtes rentré. Donc ça c'était pour le premier terrain. Pour le deuxième terrain, vous allez aller à Oasis Spring. Donc pareil, moi, mes terrains ne sont plus ceux d'origine, vu que j'ai refait toutes les maisons. Et c'est celui-ci. Donc celui en haut, je crois que sur le terrain d'origine, c'est la maison des Plenosas. Je suis pas sûre, mais bon, c'est sur ce terrain-là que vous devez cliquer en tout cas. Donc là, hop, j'y retourne avec Naruto, si le jeu veut bien m'obéir, s'il vous plaît. Je fais n'importe quoi, voilà. On est arrivé sur le terrain, donc normalement c'est la maison des Plenosas, moi c'est le Monopoly que j'ai créé, que d'ailleurs si vous voulez vous pouvez le retrouver dans la galerie, bon, il n'est pas jouable, rien du tout, hein. C'est juste une déco, il est complètement sans cesser, il est dans la galerie, pan 22-0-2-12, comme ça, ça c'est dit et ça c'est fait. Alors le terrain, la grotte c'est pour ici que vous allez avoir besoin le niveau 10, donc quand vous arrivez sur le terrain, votre sim se met ici, vous allez simplement au bout du terrain, vous tournez votre caméra, et la grotte secrète se trouve par ici. Donc on va cliquer et on va forcer. Et pour pouvoir forcer, justement, c'est là que votre sim est obligé d'avoir le niveau 10 en bricolage. Sinon, ben, vous ne pourrez pas, voilà. Sinon, vous ne pourrez pas ouvrir la grotte. Voilà. Donc moi, il a forcé le passage. Donc un truc à savoir, c'est que le terrain n'est ouvrable qu'une fois. Enfin, ouvrable. On peut y aller autant de fois qu'on veut. Mais vous avez seulement besoin de le forcer, je vais dire, une fois. Donc, il suffit dans votre partie de prendre un sim qui a le niveau 10 en bricolage. Et après, avec n'importe quelle famille de la partie, vous pourrez accéder au terrain. Donc, on va faire comme pour l'arbre. On va aller explorer. On va essayer de faire les bons choix. Prendre le chemin étroit ou le chemin large. On va essayer le chemin étroit. Si c'est... Ouais, c'est bon. Exploration de la grotte. Naruto a du mal à se frayer un chemin, se retrouve gêné pour avancer. Donc là, c'était pas le bon choix, donc il va ressortir. C'est pas grave, on y retourne. Donc c'était le chemin large, du coup. Nul besoin d'essayer de faire quelque chose de dangereux. Naruto descend lentement de la branche principale et voit à travers la faible lumière restant un virage qui mène vers le haut. Il y a également une échelle instable qui mène vers le bas. Alors, est-ce qu'on prend le passage ou est-ce qu'on prend l'échelle? Je vais essayer l'échelle. C'était bon. Naruto plonge prudemment dans le sombre abîme, avançant à tâtons en s'agrippant au barreau plein d'échardes. Après une longue descente, une faible lumière bleue apparaît dans l'espace en dessous. Naruto peut passer sur le rebord d'un précipice sombre et mousseux ou continuer de descendre vers l'inconnu. Est-ce qu'on marche ou est-ce qu'on continue sur l'échelle? On va continuer sur l'échelle. C'était pas ça. C'est pas grave, on recommence. Ouais, je vous ai dit, parfois, il faut chipoter un peu. Mais vous vous souvenez, c'est toujours les mêmes réponses, en fait. Donc, si la réponse n'est pas bonne, ben, pour la prochaine fois, vous mettez la suivante. Donc là, c'était le chemin large, hein, qu'on avait dit. Donc là, on emprunte l'échelle. Et c'est ici qu'on s'était trompé. J'avais mis continuer l'échelle, mais c'est marcher sur le bord.
Donc voilà, Naruto suit sans effort un chemin couvert de mousse jusqu'à ce qu'ils aperçoivent l'entrée d'une magnifique grotte. Donc on va à la grotte, se déplacer, oui. Donc voilà, c'est pareil que pour l'arbre, c'est un terrain à charger. Nous voilà à la grotte oubliée, donc c'est un terrain secret comme pour le petit arbre. Pareil, donc si vous voulez, il n'est pas modifiable d'origine, si vous voulez le modifier, vous devez utiliser le code triche que vous trouverez sans problème sur Internet. Donc je vous la montre en gros la grotte parce que pareil, donc là je ne sais pas qui est plus loin. Donc je ne veux pas trop vous spoiler non plus, donc là je ne sais pas aller plus loin non plus. Donc c'est vraiment pareil, le tout petit terrain, donc c'est vraiment, oups là, c'est vraiment juste ça en fait. Hein. Et alors ici c'est, on a juste un quoi à pêche aussi et pas mal de cristaux. Alors dans cette grotte elle fait un peu peur parce que parfois il y a des yeux rouges qui apparaissent. Personnellement je trouve qu'elle est magnifique aussi cette grotte. Regardez, regardez comme c'est beau. Parfois on a des yeux rouges, je sais pas si on va les voir, qui nous observent. Ça fait un peu flipper par moments. On voit Naruto là au bout. Regardez comme c'est beau. Voilà, donc je vous la laisse découvrir plus en détail vous-même. Sinon, bah c'est pas très intéressant de vous spoiler et tout. Donc là, c'est pareil. Bah, soit je reclique dessus. Voilà. Hop, et je peux rentrer à la maison. Soit ben, je clique comme ça, je clique sur se déplacer. Mais on va rentrer par le petit trou. Rentrer à la maison, ok. Et on est de retour à la maison. Donc voilà pour le deuxième terrain. Maintenant, on va aller voir le troisième terrain. Donc le troisième terrain, il se trouve à Granite Food. Donc c'est un terrain de vacances. Donc ce qu'on doit faire, c'est aller prendre des vacances, tout simplement. On y va tout seul aussi. C'est quand tu veux, Naru. Voilà, donc on va choisir Granite Fool, forcément, pas Selvadorada. Et hop là, on va cliquer, peu importe, on va prendre ce terrain-là. Là, c'est peu importe parce que le terrain secret se trouve dans la forêt, en fait. Donc vous prenez n'importe quel terrain de vacances, on s'en fout. Hop, on valide. On va juste. On va peut-être partir. Non, juste un jour, ce sera bon. Ah, oh, bon, bah, il a pris toute la famille avec, c'est pas grave. Donc, nous voilà à Granite Faux. Donc, je vous l'ai dit, le terrain, c'est peu importe. Vous prenez n'importe quel terrain de vacances, ça changera rien parce que le terrain secret n'est pas ici. Donc, une fois que vous êtes en vacances, ce qu'on fait, c'est que vous allez vous déplacer. Après, on va aller dans la forêt, parce que c'est dans la forêt qu'il se trouve. Mais là, j'aurais bien y aller tout seul, oui. Nous voilà dans la forêt de Granite Falls. Donc je vous répète que vous êtes obligé de passer par un logement de vacances. Vous ne savez pas accéder à la forêt de votre maison directement. Donc vous devez partir en vacances, prendre un logement n'importe lequel. Et de là, vous mettez, vous déplacez et vous allez dans la forêt. Donc quand vous arrivez dans la forêt, donc vous la voyez, elle est comme ceci. Voilà, donc vous voyez, c'est très compliqué parce qu'ici, ça va être un peu compliqué à trouver le terrain parce qu'il est dans les bois. Et que bah, il n'y a que ça des bois. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que moi j'ai une petite astuce. Donc voyez, vous prenez comme repère la maison qui est dans le terrain, oui. Donc par contre ici vous pouvez la modifier la maison. Contrairement au terrain de Willow Creek et d'Oasis Spring, ici vous pouvez modifier la maison. Mais donc quand vous arrivez sur le terrain, vous prenez la maison, vous voyez juste en dessous de la maison, vous avez un petit coin à pêche ici. Voilà, donc vous mettez sur le coin à pêche. Et alors vous allez avancer tout le temps tout droit, 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 tout droit. Et tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Et vous voyez, il est là en fait, le terrain secret. L'entrée en fait du terrain secret est là. Donc imaginons, voilà, on ne sait pas comment on arrive. Voilà, on est. Oups là. On est mis n'importe où, n'importe comment. J'ai fait n'importe quoi avec ma caméra exprès. Donc vous reprenez ce petit morceau donc, qui est vraiment tout en bas. Ce petit morceau de quoi pêche, en fait, vous le mettez face à vous, comme ça, et vous allez avancer tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, et voilà. Et vous allez forcément arriver ici, au terrain secret. Hop, alors, vous allez faire comme pour les deux autres, vous allez explorer. Bon, Naru, t'arrêtes de parler avec tout le monde et t'y vas, s'il te plaît. Merci. Voilà. Donc, pareil, on va avoir des petits trucs à faire.
Donc, encerclé par des fourreaux, des épines et très certainement du danger, Naruto doit prendre une décision, avancer ou battre en retraite et arrêter l'aventure. Ben, on va avancer, parce que si on bat en retraite, forcément, il va revenir, c'est pas le but. En avançant dans le feuillage avec un courage intrépide, Naruto tombe sur un ruisseau bouillonnant. Doit-il s'arrêter de pêcher? Non, tu continues de marcher. Enfin oui, tu continues de marcher. On va pas s'arrêter pour pêcher. Naruto sent qu'il est sur le point de trouver quelque chose de spécial, quelque chose qui en vaudra vraiment la peine, mais se fatigue rapidement. Naruto doit-il faire une petite sieste ou continuer? Tu continues. Naruto a progressé dans le feuillage dense pour finalement découvrir une crique sacrée au milieu de la forêt, une anse où se trouve un mystérieux cime. Donc le cime, c'est ce qu'on a, enfin, c'est ce qu'ils ont appelé l'ermite. Donc forcément, vous allez vers le cime. Donc là, on va se déplacer, vu que c'est un terrain à charger, comme les deux autres. Nous voilà donc maintenant à la maison de l'ermite. Alors l'ermite, ça peut être une femme ou un homme, peu importe. Donc ça change d'un jeu à l'autre, en fait. C'est aléatoire. Donc ici, vous n'aurez pas le même ermite que moi, vu que le jeu peut le changer. Donc vous aurez peut-être un homme ou une autre femme qui ne lui ressemble pas du tout. Donc si on va dessus, on s'aperçoit que c'est l'ermite en fait. On va se présenter. Bonjour. Elle m'envoie des confettis, d'accord. Dag dag. So sûr. So. Alors on s'aperçoit, voilà, c'est un petit terrain comme les autres. C'est pas très grand. Pareil, on ne peut pas le modifier. Donc pour ça, il faut utiliser le code triche. Et on s'aperçoit. Oups là, je vais trop vite. Et on s'aperçoit, donc là, je ne peux pas aller. Que l'ermite, il a sa petite maison. Voilà. Petite maison tranquillou, tout seul. Il vit, enfin, elle, parce que moi, c'est une femme. Elle vit toute seule, avec son petit potager. Voilà, dans sa petite maison. Une petite maison très rustique, mais qui comporte tout le nécessaire pour pouvoir vivre. Donc, pareil, je ne vous montre pas en détail le terrain. À vous de venir le découvrir. Mais voilà, c'est un tout petit terrain, il n'y a pas beaucoup. Donc l'importance de ce terrain secret, c'est pour les remèdes et les recettes de l'herboristerie. Parce que l'ermite, ici présent, c'est le seul à détenir la recette de l'engrais fongique. Donc pour ça, pour l'apprendre, vous devez devenir bon ami. Donc moi, je l'ai déjà fait, donc je ne saurais pas vous montrer ici. Mais vous devez simplement devenir bon ami avec votre ermite, donc qu'il soit fille ou garçon, ça c'est peu importe. Peu importe votre niveau en herboristerie. Vous devenez simplement votre bon ami avec l'ermite et vous allez pouvoir lui demander qu'il vous apprenne la recette de l'engrais fongique. Donc moi, où est-ce qu'il est le barbecue? Donc moi, ici, je vais vous montrer, je l'ai déjà. Donc, préparer un remède à base de plantes. Donc moi, il est full en herboristerie, mais ça, vous pouvez l'apprendre. Peu importe votre niveau en herboristerie, l'ermite vous l'apprendra. Oui, je ne sais pas ici les faire parce qu'il me manque. Voilà, je n'ai pas les feuilles dans mon inventaire. Mais sinon, j'ai le niveau. Voilà, c'est ceci. Donc, c'est l'engrais d'infusion fongique. Donc, il vous faudra trois morilles, deux fausses morilles, une mûre et un grisade. Donc, les grisades, ce sont des insectes. Je vous le répète, là, il y a peu importe votre niveau d'herboristerie, il vous l'apprendra. Il faut simplement être bon ami avec ce petit ermite. Donc voici pour le troisième terrain secret. Donc si vous avez des difficultés pour le trouver, je vous invite à reculer ma vidéo et à refaire exactement, enfin vous positionner comme moi j'étais positionnée et à refaire les mêmes manipulations que moi parce que c'est vrai que parfois c'est pas toujours facile de le trouver ce terrain. Voilà, j'espère que j'ai pu vous apprendre quelque chose sur les Sims 4 en vous montrant les trois lieux secrets. Moi, je vais vous abandonner ici, parce que comme vous voyez, je n'en peux plus. Ma voix, elle est complètement partie en cacahuète, c'est pire qu'au début. Je suis complètement épuisée à parler, donc il faut que j'arrête ici. J'espère quand même pour vous que ça n'aura pas été trop laborieux, que vous aurez quand même pu comprendre un peu le maniement des lieux secrets. Je ne sais pas quand aura lieu un prochain tutoriel, parce que là, je vais vraiment faire une pause sur la chaîne en attendant de récupérer ma voix. Pour les Legacy, il y a trois épisodes qui vont sortir, qui sont déjà préenregistrés. Mais pour les tutoriels, il faut vraiment que je récupère ma voix parce que autant pour vous écouter que pour moi, les tournées, c'est vraiment une catastrophe.
N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un petit pouce bleu, de la partager avec vos amis pour leur faire découvrir les lieux secrets, parce que c'est quelque chose que les gens ne connaissent peut-être pas forcément. Donc n'hésitez pas à partager en masse cette vidéo. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne, parce que je vais revenir en forme pour d'autres tutoriels et pour d'autres vidéos. Donc en attendant, moi je vous abandonne ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!